membres du jury également qui vont remettre les récompenses. Et je demanderai à plusieurs personnes de venir tenir les chevaux des futurs médaillés. S'il vous plaît. Attention avec les poètes. Doucement, doucement. Et nous allons commencer. À la sixième place. Une douzaine déjà. Composée de Hélène, Alice, Mario et Théo, c'est Jardy 1. Ça va, Jardy? À la 16e place pour les écuries Genébar avec Manon Tessagnéo de Matisse et écurie Genébar 2. Doucement, 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 s'il vous plaît, avec les poitrines. Les chevaux, ils n'aiment pas trop ça. S'il vous plaît. À la 8e place pour UCPA des Chantraines, composée de Julie, Maïké, Ombline et Lorena, c'est les Robonnais des Chantraines. À la 9e place pour la Guadeloupe, c'est Agathe, Chloé, Ludo et Matisse. La 9e place, Soleil, Guadeloupe. S'il y a une 2e personne qui peut venir tenir l'avant là, ça ne fait pas de trop, je pense. À la 10e place pour l'école d'imitation du Boulonnais, avec Sarah, Charlotte, Juliette et Pauline, c'est la team EEB. Et maintenant, tenir les deux chevaux là. Deux personnes, ce ne sera pas de trop, je vous le dis. Hein. L'alzan et le B foncé là. Merci beaucoup. De Picardie, du Poney Club de la Bohème, composé de Hugo, Gwenaël, Maxime et Perrine. Ils vont porter la médaille de bronze. Ce sont les Bohémiens. Qui se trouve la Bretagne qui s'installe hein, sur cette remise des prix et sur toutes celles de la semaine d'ailleurs. La Bretagne est représentée pour le centre équestre du Goyen avec Emma, Lou, Caroline et Anouk ainsi que Jeanne. Voici les vice-championnes de France, c'est l'équipe Goyen. Marche du podium, c'est la Bretagne, les écuries Gélebar, présentées par Erwan, Mathilde, Flore et Salomé. Voici les championnes françaises au club de l'équipe excellence, l'écurie Gélebar.
sur un championnat de France. C'est le protocole. Je vais demander aux messieurs de bien vouloir se découvrir. Laissons place à la Marseillaise. Club 2, équipe excellence. Je vais demander aux cavaliers de bien vouloir récupérer leur monture, s'il vous plaît. Et de la 4e à la 10e place, vous pouvez venir à gauche. Et Lilon, à la 6e place, Jacqueline, avec Eden, Alice, Marion et Théo. À la 7e place, les aiguilles Gébard, avec Manon, Stéphanie, Héloïse et Mathilde. À la 8e place, les Rocolets de Chanterelle, Julie, Maïté, Omeline et Lorena. À la 9e place, la Guadeloupe, Soleil Guadeloupe avec Agathe, Chloé, Lou et Matisse. Et à la 10e place, la team EEB avec Sarah, Charlotte, Juliette et Pauline. Alors, on va se mettre piste à main gauche devant le podium, s'il vous plaît. Écurie générale, à ma gauche, très bien. On va serrer en prise derrière. Les piétons, vous pouvez sortir. Et c'est parti pour le tour de l'heure. Et je vous rappelle, ce sont les classé. Nous avons là les trois meilleurs. Le podium, je vous rappelle, à la médaille de monde. Au fond à gauche, vous pouvez sortir au trot tranquillement et je vais garder l'équipe de Bretagne. Venez vers moi. Venez vers moi. Et vous pouvez m'applaudir à nouveau les champions de France au club de l'équipe excellence. Vas-y, vous pouvez aller, vous faire plaisir. Ils viennent de la Bretagne, l'écurie Gélibar avec Erwan Mathieu-Fleur. On passe au trot. On passe au trot, bravo. Belle performance. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine. Le podium, il bouge pas. Les médailles, elles sont dans un coffre-fort. À vous de décrocher à nouveau la médaille d'or. Donc rendez-vous.